ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Le moment débat. Alors c'est vrai que pour parler de Saint-Valentin, c'est quand même assez sympa comme jingle, c'est un petit peu musclé. Mais peut-être qu'il y a des espèces qui se battent pour faire l'amour, Bruno ? Ah oui, effectivement, c'est très courant. Le comportement sexuel est souvent accompagné d'un comportement agressif de la part des mâles. C'est quelque chose d'assez répandu, puisque tout ça est lié en partie et souvent à des hormones, notamment la testostérone. Et si la testostérone va déclencher un certain nombre de manifestations physiologiques, donc qui préparent le mâle effectivement à l'amour, ça va aussi augmenter son degré d'agressivité. Donc c'est souvent lié, et avec une certaine logique, puisqu'il y a la compétition pour le partenaire sexuel. Donc les mâles vont pouvoir effectivement s'affronter, parfois très violemment. C'est très répandu à la fois chez les mammifères, les oiseaux, les insectes, etc. Ah, c'est les tortues, ça m'avait marqué, les tortues qui se mordent les pattes pour immobiliser la partenaire. Je trouve ça assez horrible. Tout à fait. Ouais. Il y a des insectes, notamment je pensais aux punaises, où c'est même presque du viol à chaque fois. Alors là, c'est encore autre chose. Il y a des punaises qui perforent. Alors là, c'est plus l'agressivité par rapport à de mâle entre mâle. C'est-à-dire qu'il y a des punaises perforeuses, perforantes. C'est-à-dire que le pénis perfore littéralement le corps de la femelle et les spermatozoïdes vont aller chercher, trouver leur route par eux-mêmes. Mais ça n'utilise pas forcément les voies génitales. Ouais, c'est un cas extrême quand même. Oui, mais comment on s'en sort quand on est une punaise femelle du coup après ça? Apparemment très bien. Enfin, oui. Le but du jeu, simplement, après, en l'occurrence, la femelle n'a pas une espérance de vie très très grande. Donc après, les œufs sont fécondés et puis voilà, elle va pondre ses œufs et je ne sais pas ce que va devenir ensuite la punaise. Voilà, il y a eu d'ailleurs un ouvrage il y a une trentaine d'années sur toutes ces pratiques un peu étranges. Un ouvrage par un psychanalyste qui s'appelle Toby Nathan et qui avait repris ça un petit peu au regard de la psychanalyse. Mais au moins, les femelles sont obligées de s'en sortir pour le côté procréation. Moi, je pense aux araignées qui, pour certaines, mangent leur partenaire. Ils ont peut-être un peu moins de chance. Mais s'en sortir combien de temps? Quand on est un insecte, les espérances de vie, ou un arthropode, dans le cas de l'araignée, l'espérance de vie n'est pas forcément très longue. Encore une fois, elle s'en sort, elle mange le mâle, c'est très intéressant, ça fait des protéines en plus, donc ça permet effectivement de... Voilà. Et elle va pondre ses œufs, et puis voilà, elle n'est pas obligée de vivre longtemps. Ça me va très bien. Moi, je ne suis pas une grande fan. On n'est pas chez des animaux qui ont des soins parentaux. Évidemment, quand on est chez des animaux qui ont des soins parentaux, là, ça va être différent. Alors, soit ça va être des soins parentaux avec les deux parents, mâles et femelles, qui participent aux soins parentaux, soit c'est seulement la femelle. Mais dans ce cas-là, il faut qu'elle continue de vivre. Voilà. Et dans ce que j'ai pu lire aussi, il y a des comportements où... notamment le mâle, apporte des présents aussi à la femelle. Alors, la Saint-Valentin, justement. C'est ça. Alors, parce qu'en fait, il y a un truc qui est rigolo, parce que des fois, c'est vraiment un vrai présent, des fois, c'est juste l'emballage. Et même pour aller plus loin, mais je ne veux pas déborder sur les autres débats, mais jusqu'où on peut dire que finalement, nos comportements à nous, ils sont peut-être relativement primaires. Une question qui en cache plein, quoi. Oui, alors, ne m'emmenez pas sur le terrain de la comparaison entre les comportements humains et les comportements animaux. On peut les faire pour s'amuser et ensuite dire qu'il y a des similitudes. C'est un débat éminemment plus complexe que celui qu'on peut avoir en quelques minutes. Maintenant, oui, effectivement, ce à quoi tu fais référence, c'est... il y a plusieurs exemples d'offrandes, mais effectivement, il y a certaines mouches, notamment, des ampididés. Les Anglais, je ne sais plus comment ils appellent ça, les mouches danseuses, voilà. Eh bien, ces mouches, il y a des nuages de mâles qui volent ensemble et on les voit voler avec une espèce de petit ballon, une petite ballon en soie qu'ils ont fabriqué. Et en fait, les femelles sont attirées par ce nuage de mâles qui volent souvent dans la lumière du soleil. Et les femelles vont choisir leurs mâles, elles vont les inspecter, elles vont les choisir en fonction de cette espèce de ballon en soie. Et normalement, dans ce ballon en soie, il y a une proie qui est enveloppée dans la soie. Et effectivement, chez certaines espèces, c'est une offrande. C'est-à-dire que le mâle va copuler pendant que la femelle reçoit l'offrande, va se nourrir de cette proie. Il y a d'autres espèces de mâles qui ont une proie comme ça, qui n'est pas enveloppée. D'autres, elle est enveloppée dans un magnifique papier cadeau en soi. Et d'autres, c'est mieux encore, le mâle a dépensé un peu d'énergie pour fabriquer un magnifique cocon de soie, et pendant que la femelle est en train d'ouvrir son prédant et que monsieur fait son office, eh bien la femelle détricote et à l'intérieur il n'y a rien du tout. Donc voilà, le mâle a fait aussi l'économie de la capture de la proie, il se contente de faire un présent qui est un présent
vide, symbolique. Puis après, voilà. Ah, donc, le leurre pour arriver à ses fins. Un petit leurre, voilà. Complètement. L'escroc, on l'appelle voilà. L'escroc dans le... Mais il y a plein de cas d'offrandes. Il y a des offrandes chez les animaux. Par exemple, la parade sexuelle chez les goélands, le goéland gentier, par exemple, débute par une offrande un petit peu particulière. C'est-à-dire que mâles et femelles se ressemblent véritablement chez les goélands. On ne peut pas les distinguer visuellement. Et les mâles sont très agressifs, territoriaux. Ils ont des petits territoires qu'ils défendent pour le futur emplacement du nid. Et les femelles arrivent, ils ne se connaissent pas encore quand c'est un couple qui va se constituer. Donc le mâle, il est au début agressif contre ce potentiel agresseur qui peut être mâle ou femelle, il ne sait pas encore. La femelle, elle adopte tout de suite une position basse, elle montre bien qu'elle n'est pas agressive. Et donc le mâle vient l'inspecter par-dessus, comme ça, un petit peu dressé et tout, voilà. Et il a le bec jaune avec une tache rouge sur la mandibule inférieure, ça, c'est très très visuel. Et là, la femelle agrippe son bec. Et ça déclenche chez le mâle une régurgitation alimentaire. Bon appétit. Donc il régurgite de la nourriture. La femelle va ingérer cette nourriture. Et ça va être le début de la parade nuptiale. Et le couple va pouvoir se constituer à partir de ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rituel, l'offrande. Alors chez les goélands, parfois, chez certaines espèces de goélands, ça va être important parce que la femelle va être pas mal nourrie de cette façon-là. Et en fait, ce comportement, c'est un comportement de jeune, parce que les petits goélands se nourrissent comme ça. Papa et maman goéland ne donnent pas à manger, ne donnent pas la béquée. Il faut que le petit agrippe le bec. Et la femelle reconstitue en quelque sorte un comportement de juvénile. D'accord. Voilà, il y a plein de comportements de ce type. Et moi, j'ai une autre question. Mais ce sera déjà la dernière. Ah, très bien. Alors j'essaie d'aller vite parce que l'intérêt de la reproduction au départ, c'est si on doit avoir une question finaliste un peu comme ça, mais c'est de brasser les gènes quelque part. Ah oui, on peut dire ça. Disons que c'est l'intérêt par rapport à de la reproduction asexuée. Oui, de la reproduction sexuée, d'accord. Ouais. Oui, pardon, c'est ça. Et l'intérêt de la reproduction, c'est d'avoir une descendance, ouais, sinon tout est fini. J'ai été un peu vite. Ouais. Mais est-ce que quand il y a sélection, par exemple, sur la taille des bois pour le cerf, par exemple, finalement, on va vers quelque chose où vers un génotype ou après l'expression d'un génotype qui est similaire, des grands bois. Et oui. Peut-être que potentiellement, on va limiter justement le brassage génétique en allant que vers un certain type d'individus qui présentent des caractéristiques. Voilà, tu as très bien expliqué les choses. Enfin, l'appareil, ça prendrait du temps. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conflit entre les mécanismes de sélection naturelle et de sélection sexuelle. Donc, effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une tendance au gigantisme, par exemple, chez les bois des cervidés, une tendance au gigantisme, par exemple, des couleurs, des patterns, de la queue du paon, etc. Mais ça, forcément, ça a ses limites, parce que c'est un handicap, hein, c'est un problème. Le mâle qui se trimballe avec son énorme queue, les cerfs qui se trimballent avec leur bois gigantesque, ça a une certaine limite physique au-delà de laquelle il va être confronté à d'autres problèmes, les prédateurs, etc. La visibilité des prédateurs, la difficulté pour se déplacer, etc. Donc, Un compromis entre ces deux sélections. C'est un compromis entre les deux. D'accord. Tout à fait. On est dans ce genre de compromis. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. Je pense qu'on aurait pu discuter encore longtemps, mais il va falloir qu'on passe un petit peu à l'être humain. Et avant, je vous propose d'écouter un joli titre, « J'arrive » de Ben Mazuet. Agrandis-moi, force la ferveur, réponds-moi, aspire mes peurs, porte ma croix, juste quelques heures et donne...